Hier soir, TF1 lançait Mon Ange, son nouveau thriller événement emmené par Muriel Robin, Marie-Lou Berry et Patrick Chenet. La presse a-t-elle été convaincue par cette mini-série en 4 épisodes sur fond de disparition? Portée par Muriel Robin et Marie-Lou Berry, Mon Ange, la nouvelle mini-série événement de TF1, raconte l'histoire de Suzanne Brunet, une femme qui n'a cessé de chercher sa fille Julie, disparue sans laisser de traces il y a 8 ans. Un jour, une photo dans un vieil article de journal la mène jusqu'à un village où elle va tout faire tout retourner, pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Julie. Pour son lancement ce jeudi sur la Une, cette création de Negard Javadi, le premier oublié, a permis à la chaîne de se placer en tête des audiences en réunissant en moyenne 4,78 millions de curieux selon Médiamétrie. Pour une part d'audience de 24,6% sur l'ensemble du public et de 19,6% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, FRDA 5 ans. Si les téléspectateurs semblent donc s'être laissés entraîner dans la quête de vérité de Muriel Robin, qu'en est-il de la critique? Ce qu'en pense la presse. Selon Le Parisien, porté par Muriel Robin, bouleversante en mère prête à tout pour retrouver sa fille, et Marie-Lou Berry, déterminée à faire toute la lumière sur une affaire qui la touche de plus près qu'elle ne le voudrait, Mon Ange, explore avec brio les zones d'ombre de chacun et les silences coupables. 4/5 lire la critique complète selon Télé 7 jours, à mi-chemin entre drame, policier et thriller, cette mini-série nous captive jusqu'au bout. Muriel Robin est formidable et illustre bien le combat de cette mère déchirée à la recherche de sa fille. Même si face à elle, Marie-Lou Berry tient largement la distance en s'imposant par son jeu tout en sensibilité et en justesse. 4/5 selon Télé Loisirs, Muriel Robin, forte et fragile, convainc dans cette intrigue policière prenante. 3,5/5 selon Télé Z, un début un peu balbutiant et une mise en place qui prend son temps. Une fois la machine lancée, l'intrigue fonctionne et retient l'attention. Coup de chapeau à Muriel Robin qui tente ce rôle avec la nuance qu'il exige. 3,5/5 selon Téléstar, Muriel Robin est plus habitée que jamais dans ce drame très poignant. 3,5/5 selon Télécablesat, cette nouvelle tentative de Muriel Robin d'embrasser un rôle dramatique est inégale. On a parfois du mal à croire à son personnage, notamment à cause de dialogues trop écrits et truffés de clichés. 2,5